Caroline et tous ses amis. Des chats et des chiens qui se donnent la main, c'est Caroline et ses copains. Entrez dans la danse, une histoire commence, de grands yeux d'azur, et Caroline nous entraîne dans ses aventures. Quel que soit l'endroit, les enfants sont rois. Quand Caroline vient jouer, c'est toujours la gaieté. Une petite fille blonde dans un drôle de monde, c'est Caroline et tous ses amis. Des chats et des chiens, complices et coquins, c'est Caroline et ses copains. Une petite fille blonde dans une drôle de monde, c'est Caroline et ses amis. Quelle poisse! On est en vacances et il fait un temps à pas mettre un chat dehors. Il n'y a pas moyen de partir au soleil. Nous sommes condamnés à tourner en rond dans cette maison. Tourner en rond? Pas pour tout le monde. Vous n'avez pas fini de vous plaindre? Tenez, si on montait au grenier, il y a des tas de costumes là-haut, on pourrait se déguiser. Ah chouette, j'adore me déguiser. Voici une idée qui me semble lumineuse. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que Caroline vient d'avoir une super bonne idée. Debout, paresseuse, nous montons au grenier. Allez-y, moi je reste ici pour surveiller les meubles et les coussins. Tu peux monter avec nous, la maison est sûre, tu sais. Ça a une vraie mine d'or, ce grenier. Tu veux dire, une mine de costumes, oui. Ah, ce couvre-chef, monsieur, fait de moi un seigneur digne de ce lieu. Et je ne souffrirai à aucun prix qu'on me le prie. Bravo, Pouf. Tu as la comédie dans la peau. D'ailleurs, ça me donne une idée. Si nous montions une troupe de théâtre itinérante, ça permettrait de payer nos vacances. Formidable! Je suis prêt à partir sur le champ. Mais où on trouvera l'argent pour monter une scène et pour les décors? De l'argent? Mais pourquoi faire? Venez, je vais vous montrer. Hé, hey, oh, hé, hey, hé, hey, attendez-moi! Je suis désolé les copains, désolé. Si nous récupérons le châssis et les roues de cette vieille charrette et que nous plaçons la cabane dessus, cela nous ferait déjà une roulotte. Qu'est-ce que tu en penses, Pipo? Ça me paraît faisable. Anatole nous servira à tirer la roulotte. Génial. Moi, je m'occupe d'Anatole. Vive le théâtre! Vive le théâtre! Ah, il faut que je trouve à manger pour Anatole. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui donner? Savais-tu, mon cher Boom, qu'il se trouvait dans mon arbre généalogique le célèbre dramaturge Shakespeare? C'est qui ça, Shakespeare? Mais voyons, mon cher Boom, celui qui a écrit « Être ou ne pas être, mon royaume pour un cheval ». Et des carottes pour mon âne. Voilà l'idée des géniales, Noiro. Et hop! Ça, je l'ai toujours su. Un peu de discipline et de silence. Il va falloir se partager le travail. Pipo, hein? Tu t'occuperas de la régie. Ah, ouais. Boom sera ton assistant. Bobby pour les décors. Youpi au costume. Kid, tu seras responsable d'Anatole. Quant aux deux plus bavards, j'ai nommé Pouf et Noiro, ils joueront la comédie. Je vous donnerai la réplique. Maintenant, reste à choisir le spectacle. Et si on jouait le chaboté? Excellente idée. Vous êtes d'accord? Pour le chaboté. Attendez, il me semble que vous avez oublié quelqu'un. Pipo, Boom, Bobby, Youpi, Kid, Pouf, Noiro, il manque Pitou. Quoi? On parle de moi? Je me demande ce qu'on pourrait bien te faire faire. Au théâtre, il n'y a qu'une seule chose que je sache faire, c'est souffler. C'est entendu, tu seras souffleuse. Pendant que je récupère les roues de la voiture, occupez-vous de démonter la cabane. Ouh là là, mon Pouf Boom, nous avons du travail sur la planche. Et si nous commencions par nous reposer?
beau travail, Boum. Tiens, une bonne carotte. C'est excellent, hein. Regarde. Allez, une autre. Mais qu'est-ce que tu fais, Kid? Mais je dresse Anatole, Caroline. Après ça, il m'obéira au doigt et à l'œil, hein. Tu ne manges rien, Kid? Non, j'ai pas très faim ce soir. Avec mes belles bottes, je ferai un superbe chaboté. Couis-je, qu'entends-je? Ce rôle me revient de droit. Bah comment de droit? Le chaboté, c'était un chat rusé et farceur, comme votre serviteur. Sache que le chaboté a été anobli. Et qu'il y a de fortes chances que je descendasse directement de lui. Oh. Allez, ne vous disputez pas. C'est celui qui sera le mieux son texte qui aura le rôle. Ah, dans ce cas, ce sera moi. C'est ce que nous allons voir. Et si vous veniez jeter un coup d'œil sur la roulotte, on l'a terminée, là. Excellente idée. Super. Formidable. Ah, vous avez pas tout vu? La roulotte, elle est transformable. Et comment ça, transformable? Attends. Oh! Et voilà notre théâtre! Tout le monde est prêt? Oui! Oui, on peut y aller. J'ai la situation bien en main. Avance, Anatole. Allez, avance, mais quel bourrique ce bourrico! On dirait qu'Anatole refuse de prendre la route. Il n'aime peut-être pas le théâtre. Ou il aime peut-être trop les carottes. Attends. Tiens, Boum. Pour encourager notre ami Anatole. Cette abeille, oh! Kid, hé, dans le pré, là! Une ruche! Elle doit être remplie de miel! Que ça. Si vous voulez bien m'écouter. Alors, mes chats beautés, avez-vous bien appris votre scène? Si la réplique que tu veux bien me donner, je vais sur le champ te la déclamer. D'accord, Pouf, allons-y. Vous voilà bien affligé, mon maître. Qu'avez-vous donc qui vous embête? Je n'ai plus un sous-vaillant, mon ami, et mon père ne m'a laissé qu'un vulgaire chat pour tout héritage. Si vous voulez bien m'écouter, rapidement, fortune vous ferez. Qu'est-ce qu'il dit, là? Mais le chat beauté, ça se joue pas en vers, mais en prose. Tenez, regardez. Faites-moi confiance, mon maître. Il n'y a pas dans le royaume de chat plus rusé et plus habile que moi. Ah, bah là, je comprends. Ah, monsieur Noirou, le chat habile qui ne sait pas mettre un pied devant l'autre. Eh, Boum. Oui. Mais comment voulez-vous que je répétitionne dans une ambiance pareille? Alors Caroline, qui sera le chaboté? C'est Pouf ou moi? Personnellement, je voterai pour moi. Le choix est difficile. Vous avez été très bien tous les deux. Je pense que nous allions modifier un peu le compte. Il y aura deux chabotés. Oui. Vous partagerez les répliques. Excellente idée, Caroline. Topez-la, messire Pouf. Cette collaboration me comblationne de joie, messire Noirou.
À vrai dire, j'ai ouï dire qu'il vous serait aisé de vous transformationner en ce que vous voulez. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Nous voulions simplement savoir si vous pouvez vous transformer en lion ou En souris ? Souris ? Fleur ! Pitou ! Qu'est-ce qu'il faut dire ? J'ai un trou de mémoire. Mon royaume pour un bon lit douillet. Un bon lit douillet. Je peux très bien me transformer en souris si vous le désirez. Regardez. Regardez, compère. L'ogre s'est transformé en souris. Attrapons-le. Les deux chaboteurs arrivèrent bien sûr à attraper la souris. Et dans le château de l'ogre, ils invitèrent leur maître, le marquis de Carabas, qui vécut heureux avec la fille du roi. Obtenu un énorme succès et nous avons récolté assez d'argent pour continuer. Formidable! Je crois que j'ai l'étoffe d'un grand acteur comique. J'avoue que la comédie me sied particulièrement. Hier soir, vous avez tous été parfaits. Allez, en route! Et tu sais pas où est passé Pitou? Elle m'a dit qu'elle répétait pour un rôle à sa mesure. Des chats et des chiens qui se donnent la main, c'est Caroline et ses copains. La prochaine fois, quand elle reviendra, Caroline, c'est sûr, nous entraînera vers de nouvelles aventures. Quel que soit l'endroit, les enfants sont rois. Quand Caroline vient jouer, c'est toujours la gaieté. Une petite fille blonde dans un drôle de monde, c'est Caroline et tous ses amis. Des chats et des chiens, complices et coquins, c'est Caroline et ses copains. Une petite fille